Et voilà, on est là. Bonsoir tout le monde. Hop, j'étais tellement à la bourre que j'ai même pas réglé la caméra. J'espère que ça va bien ce dimanche soir, que vous avez passé un bon week-end. Et puis on va se lancer ensemble dans un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Hop, voilà, ça y est, on va dire que c'est bien réglé comme ça. Je vais aller rejoindre Saku. Donc on va explorer le château ce soir. Bonsoir Saku. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Comment? Saku? Eh bien, ça va, et toi? Eh bien, je suis très fatigué. Voilà. Eh bien, tant pis pour toi, hein. Faut travailler maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais streamer, mais comme je disais à Saku avant le stream, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Et je viens de rentrer chez moi il y a de ça un petit quart d'heure. Et je crois que j'ai oublié de mettre à jour la miniature aussi du stream. Oui, c'est carrément même ce que j'ai fait. Je suis. Parfait. Voilà, c'est le bordel, hein, concrètement. Non, je suis rentré très tard. J'avais un repas de famille ce midi. Et puis ça a duré un peu plus longtemps que prévu, hein, on va dire. Donc je suis rentré très tard. Alors, attendez, on va modifier la miniature. Voilà, je vais faire ça directement. C'est magnifique. Hop, voilà. Parce que sinon, je vous connais. Il y en a un qui va arriver sur le chat et qui va dire eh, mais la miniature, t'es pas la bonne. La bonne, t'as pas un Non, numéro 3, t'as pas un numéro 4. exactement. Voilà. Allez, on est bon. Qu'est-ce qu'on vous imite bien, n'empêche. T'as vu? Donc chargeons la partie. Alors j'ai après le stream, c'était quand c'était avant-hier, vendredi soir, j'ai joué. En fait, j'ai rechargé la partie, j'ai refait le haut, la fin, ce qu'on avait fait exactement, ce qu'on avait fait en gros, mais sans perdre de vie cette fois. Donc voilà, j'avoue, j'ai triché un petit peu, mais tranquille. Alors du coup, mon fusil est vide et mon pompe est vide aussi, donc on va pouvoir les vendre. Welcome. Welcome! Allez, d'entrée de jeu, on commence avec un welcome. Le son de la télé est trop fort aussi. Hop, alors, vendons tout ça. Tac, 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 le pompe. 20 000 balles? Ah ouais, quand même! Avec les améliorations, hein, du coup, ça augmente évidemment le prix. Ah! Ah! Le fusil. Il dégage. Il y a un moucheron. Du coup, ça m'arrange, ce stream n'est pas long. Honnêtement, je sais pas. On va voir si je suis pris par l'incroyable histoire de Resident Evil. On peut s'en sortir et faire des choses. Château, Mais il est prenant. Hein. ouais, le château. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, je vais pas en dire plus évidemment. Mais il y a quelques trucs sympas qui arrivent. Le Riot Gun, on achète. Hop. Alors, il est plus gros que le pompe. Non, il fait exactement la même taille. Ok, très bien. Et le fusil semi-auto, tac. Ouais, et lui par contre, on va pas avoir la place pour l'instant. Il va falloir faire de la place dans la mallette. Ok, on va tout décaler. Come back anytime. Déjà, ce qu'on va faire. Hop, voilà. Ensuite, vu que tout est bien classé, moi j'aime quand c'est bien classé, vous le savez. Voilà, hop. Hop, voilà, regardez, on va tout décaler comme ça. Il y a une bastos de pompe qui va traîner en haut, mais bon, j'ai pas la place. Toi, là, on a tous les soins qui sont là. Hop. Voilà, hop, hop. Et toi, viens là. Voilà, ok. Bah voilà, ça nous fait largement assez de place pour notre petit fusil semi-auto, donc il va devenir notre sniper de base. Du coup, ouais, j'ai mangé en deux spi. Je suis rentré, il était 20 h 50 en gros. Donc j'ai pris une gamelle que je m'étais fait pour le boulot normalement, avec une salade que j'ai bouffée vite fait. Et me voici. C'est pas du tout optimisé que je veux, c'est acheté. Puis là, comme ça, voilà, ça fait un petit début calme de ce stream et ça permet aux gens d'arriver en toute quiétude. Ok, ah bah ça va, là, il reste de la place. On a encore 10 emplacements. Ça me va. Alors, ok, pour l'instant on ne peut augmenter que la puissance de feu. Le Riot Gun, on va le garder un certain temps quand même. Donc, je me demande si je vais pas l'augmenter tout de suite. Allez, allons-y. Ah, on peut même l'augmenter deux fois. Très bien. Le fusil semi-auto, on va le garder. Ben, on va le garder jusqu'à la fin du jeu, hein, si je dis pas de conneries. Donc on peut bien l'augmenter aussi. Bon, après, la puissance de feu pour un fusil, ça sert pas à grand chose de l'augmenter, très honnêtement. La vitesse de recharge, par contre, ça pourrait servir. Et bonsoir à ceux qui arrivent encore. Il coûte combien sur Switch le jeu sur l'eShop? Il coûte 30 balles, ce qui est très cher pour un Malheureusement. jeu sorti il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, même il y a 14 ans. Mais bon.
Est-ce que je ne montrerai pas la puissance de feu de la TPMP aussi? Tant qu'on est là, écoutons. Hop, ok. Contenance pour l'instant, pas besoin. La cadence de tir, évidemment, on ne peut pas l'augmenter. Vitesse de recharge, pas besoin non plus. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va y aller comme ça. Come back anytime. Et aussi, après le stream, j'ai refait le passage, j'ai sauvegardé. Et ensuite, j'ai buté le marchand, j'ai buté Ashley, puis j'ai éteint la console. Voilà, c'était un petit plaisir personnel. Je vous avoue, attendez, le fil de mon micro est très mal mis. C'était un sauvegarde automatique après ça. Ouais, là, j'aurais eu mal. Bah concrètement, j'aurais pas continué. Je me serais refait une partie en loose day ce week-end. Discrètement. Voilà, et hop, je serais revenu ici. La mitraille, je l'utilise jamais dans les... Moi, ça me fait bizarre de voir les gens les apprécier. Bah, ouais, non, moi j'aime bien. Ouais. Ça, des fois, c'est quand il y a du monde, en fait, ça te permet de temporiser. De quoi? Quand la TPMP. Ah oui, complètement. Ça te permet de temporiser. Enfin, tu vides tout ton chargeur, en fait, le temps de bien les regrouper. Puis dès qu'ils boostent plus, je sais pas, tu leur balances une grenade à la gueule, par exemple. C'est une stratégie qui marche plutôt pas mal. Bon, alors, du coup, on avait commencé cette partie-là. On avait buté toutes les catapultes qu'il y avait sur le chemin, sauf une qui m'avait donc tiré dans la gueule avant qu'on se quitte. Et celle-là, donc j'ai fait exactement la même chose que ce que j'avais fait en stream. Hein. Je l'ai juste refait sans perdre de vie. Wait. Toi, on va te laisser là. Et là, normalement, on va commencer à se prendre des coups bientôt. Alors, tout ça, j'avais exploré. Et le truc, c'est qu'il va falloir faire gaffe à celui qui est là-haut, là. Je crois qu'il faut run en fait, hein, jusqu'au bout, carrément. Mais j'ai pas envie de laisser Ashley là non plus. On a tous déjà tué au moins une fois le marchand. Ouais, bah oui, il faut tester. Et puis en fait, il s'écroule juste, il disparaît pas, et voilà, il reste par terre. Et ciao. Je veux voir le French Sniper. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Bon, écoutez, hop, il y a un moment, faut y aller. Là, c'est pas tombé loin. Ok. Donc là on est safe normalement. Et on va pouvoir se le faire. Alors le fusil, allons-y. Gardez le méchant là. Ah merde. Ça c'est relou. Putain, il s'est blessé au moment où j'ai tiré. Connard. Voilà. C'est bon? Ok, il a des spawns, on est safe. On va reprendre le gun. On va dire à Ashley de venir au cas où. Je sais pas, des fois qu'il y en a qui spawnent derrière, ça peut arriver. Et puis on va bouger le canon. Bonsoir tout le monde, salut à toi, notre Black Snake. Allez, 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 allez. Voilà. Feu! Et boum! Quand même plus pratique comme ça. Et je crois qu'on se fait attaquer direct après. Wait. Je ne sais plus trop. Bon. On va avancer. Désolé si vous entendez des boum boum, c'est. Ouais, tu me disais. Ouais, ouais, non, mais je sais pas, un voisin qui a dû faire tomber un truc. Il est chez non, toi, ça le voisin. Continue. Ouais, non, mais non, les parois du mur sont très fines. Ok, la dame, tu peux venir. Et il y a même un marchand juste après. Putain. Il doit pas vendre quelque chose de très nouveau, on l'a vu il y a deux minutes. Got some rare. What are you buying? What are you buying? Ok, non, c'est toujours la puissance de feu du Riot Gun. Donc, on s'en branle. Come back anytime. Alors. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. Los Illuminados. Must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, honey. Eh oui. Great. Just my luck. Ça y est. On n'a plus trop de contact avec Hunnigan. Alors, commençons par prendre quelques munitions de fusil à pompe. Du château, ça. Ouais. Le réseau passe pas, hein. C'est ça. Ah, les vieux châteaux, comme ça, vous savez. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, mes voisins, là? C'est relou.
quelqu'un a inséré l'épée de platine dans la plaque en or. Prenons l'épée de platine. Il va falloir évidemment les inverser. Sinon c'est pas drôle. Alors je crois qu'il y en a un qui descend des escaliers ou qui est là-haut. De mémoire. Wait. Alors, ça me rappelle quelque chose en tout cas cet endroit. Matalo. Matalo. Voilà. Allez, viens là. Je t'attends. On les entend parler, hein. Ils veulent venir un moment ou pas? Ils vont tous arriver d'un coup, je le sens. Ah, le voilà. Bonjour. Non, il est trop loin. Merde. Mais c'est vrai qu'ils font ce rire pas du tout flippant. Mais pourquoi? What? Pourquoi ça tirait tout seul? What the fuck? J'appuyais sur rien pourtant. Bon là je vais me prendre un coup. Attends, il y a un problème avec ma manette ou quoi? Ah oui? Quand j'appuie sur A, ça fait plus rien. What the fuck? Sympa ça. Ok, ça a l'air d'être passé. What? Trop chelou. Bah ça m'a un petit peu perturbé du coup, bon bah... On va peut-être prendre la TPMP plutôt. Ah oui, carrément. Ouais. Par contre ça... Violence gratuite. Par contre, il y a Ashley à côté et ça c'est pas bon. Là, ça lui sort par la bouche, littéralement. Ok. Oh putain, ce bug de mort, ça m'a niqué toutes mes balles, quoi. C'est pas grave, on va s'en remettre. Et bonsoir à ceux qui arrivent encore. On a perdu un peu de vie, par contre, ça c'est moins cool. Ça m'a perturbé ce... Putain, ça a tiré tout d'un coup, quoi. J'ai trop le seum. Bon alors, où sont les messieurs? Ils sont plus là? Ok, visiblement. Follow me. Oh, non. Non, c'est sérieux. Et merde, Ashley va se faire prendre du coup, là. Bon. Ah, oh, putain de sa race. Bah, là, je suis dans la merde, hein, concrètement. Qu'on te le dise. Oui, j'arrive, je vois. Ah, oh, putain, mais pas le temps de viser. Eh ben ça commence bien. Léon, ta gueule. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un checkpoint juste à ce moment-là, si vous voulez. Juste au moment où je lui dis de revenir. Bon, allez, pas c'est ballot là un peu quand même. Ouais, un peu, ouais. On va refaire cette phase, bah du coup, je vais peut-être pas perdre de vie. On va voir. Léon, ta gueule. Falloir envisager de donner une arme à Ashley. Ouais, parce que pourtant on en a beaucoup des armes en plus, donc c'est vrai que c'est complètement con. Hein. Mmh. Ouais, on devrait pouvoir. Ouais, c'est clair. Hein. Wait. On va lui dire d'aller de wait là. Wait. Voilà, tu seras bien ici. Et on va dire à tes potes là de venir. Matalo. Il était deux, hein, si ma mémoire est bonne seulement. Ah merde, mais. Ça le déclenche direct en fait. Putain, je pensais que c'était en rapport avec les deux autres seulement. Bon bah on va se prendre des coups. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ok, alors, maintenant qu'on va pouvoir protéger Ashley. Ok. Un plaga. Il va falloir être rapide là. Ah oui, d'accord, non mais.
le gun normal, ça devrait suffire pour la fin. Putain, arrête de bouger dernier moment à chaque fois. Bon, moi. Et le mort. Ok, on est bon. Bon, j'ai réutilisé un de mes remèdes, mais tant pis. Ça m'a l'air d'être ok. Le riot gun, on l'a rechargé. Faut recharger le TPMP. Follow me. Je m'attendais pas à ce que ça déclenche la scène directement. Et du coup, j'ai bien les boules. Ah, bonjour monsieur. C'est bon, on est safe. Et je préfère évidemment utiliser les balles de TPMP plutôt que le reste. Ils ne crèvent jamais. Bah, ils ont eu du mal, ouais, là. Toujours un peu de mal à crever. Oui. Bah, quand t'as des plagas, là, c'est un stade encore au-dessus, ouais, ils mettent du temps à crever. Une spinelle, ok. Là-dedans. Ah, ça, c'est bien. Ça va nous refaire un remède complet, du coup. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Ah bah pas grand chose visiblement. On a de la thune là-bas qui traînait sur la table. 1800 balles, normal hein. Ouais, et on va replacer ici l'épée de platine. Voilà. Il y a l'air de rien y avoir d'autre hein. Follow me. Toi tu peux venir. Je veux dire de venir cette fois au cas où. C'est des facehuggers ces trucs en vrai, ouais c'est ça, si jamais tu restes un peu trop, ils viennent te bouffer la gueule, ouais. Le petit lance-roquette pour Ashley c'est parfait, putain c'est vrai, il faudrait ça, hein. Faudrait pouvoir. D'un seul coup tu sais, tu l'aurais qui sort le lance-roquette et qui détruit tout, ce serait pas mal. Voilà, au moins elle aurait une utilité quoi. Pour une fois. Ouais c'est clair. Attends, j'arrive. Je me rappelle plus. Ah, en vrai, le château. Ah non, il y a la. Non, j'allais dire, c'est une des parties dont je me souviens le moins du jeu, mais non, il y a la partie suivante aussi. Elle est dure, la partie suivante. Ouais, c'est la plus dure. Leon. Leon. Lewis. Salut, mon pote. J'ai quelque chose pour vous, guys. What? Oh shit. Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look. I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Oh, ils se le sont pas dit. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Il a un petit côté arrogant, celui-là, c'est vrai. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. Bon bah voilà, merci de ton intervention Louis, hein. c'était vraiment super cool. Alors je crois que cette porte là est fermée. Non c'est la porte de droite qui est fermée, ok, il va falloir aller chercher la clé, du coup, forcément. Allons-y. Bonjour messieurs. Bon. On va pas s'emmerder, on va lui mettre un headshot lui direct. J'ai de la balle de fusil à plus savoir quoi en foutre. Ah. Matalo. On va quand même regarder derrière si jamais il y a personne. Ça a l'air d'être bon. Putain, le roundhouse kick de Léon à chaque fois ça me fait kiffer. Ah oui, voilà. Oh putain. Les enculés, il y a des arbalètes. J'aurais dû la laisser derrière, je l'ai. J'ai flippé en fait, bah, à cause de la phase d'avant quoi. Donc. Ok.
Et encore des munitions de fusil. Toi, reste là. Tu m'as saoulé. Oh, bonjour ça. Et du coup, il doit y avoir un monsieur pas gentil avec une arbalète au-dessus. C'est pas cool en vrai, hein. Monsieur, t'es chiant. Dans le doute, on va d'abord recharger ça déjà, ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il reste des gens pas gentils ici? J'ai entendu un bruit. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, je n'entends pas du tout tout. Je ne parle. Bon allez, à un moment faut y aller. Hein. Ok, il y en a un. De merde. Je crois que c'est l'arbitre, on entend derrière. Putain, j'ai eu chaud. Évidemment, maintenant ils sont plus résistants. Hein. Ok. Et oui, n'oubliez pas le pouce bleu, Nightbot a raison. Ok. Faut aller se faire l'arbalétier. Prendre la thune en attendant, je suis en train de prendre les loot alors qu'Ashley est derrière. Putain, il m'a fait peur ce con. Je sais pas s'il peut m'avoir en fait de là. Ok. Bonjour. Je dirais que c'est bon. Allez, viens là. J'ai bien tout pris là-dedans, hein. On sait jamais. Je vais quand même y refaire un tour. Non, c'est bon, il y avait juste le meuble là-bas. Ok, bon, je vais pas. Oh, calme-toi, Léon. Je vais peut-être pas. Ah putain, les boucliers, ils sont là. Je vais peut-être pas. Comment ? Re-soigner Ashley. Alors, les boucliers. Assez relou. Ceux-là. T'as stoppé les carreaux d'arbalète en plein air, ouais. Assez relou, je sais plus trop comment... Enfin, les battre efficacement, on va dire. Bonjour. Au revoir. En gros, faut mieux y aller au pont, je pense. Je crois que le fusil, c'est pas mal non plus. Après, limite, regardez ce qu'on va faire. On va entamer le bouclier. Comme ça. Voilà. Après tout, les balles de PPMP elles sont là pour ça. Non. Tu me mettras pas du coup de messe. Ok, c'est bon. On a l'air d'être bon. Ok, très bien. C'est qu'ils sont super équipés ces moines. Ouais, c'est vrai pour des moines. Enfin, des moines. Je sais pas trop si on peut appeler ça des moines. Bon, avançons. Fini les conneries. Ok. Double kick. Eh ouais, oh, il était beau celui-là. Mes balles ne sont plus bien classées, ça me perturbe très fortement. Voilà, comme ça c'est mieux. De toute façon, je devrais certainement retrouver bientôt. Là, ça va, j'avais un gros stock de ballonnettes, donc on est bien. Ok, il n'a pas l'air d'avoir grand monde par là. Mais quand il y a un bidon explosif comme ça, c'est mauvais signe. Je pense qu'ils vont arriver par derrière. Au moment où on va ouvrir le coffre, certainement. Le retour de la maniaque. Ouais, c'est bien moi. Alors, Ashley, oui. Tu vas rester là. Voilà, ça n'a pas manqué. Putain. Ok. Ça te prie. Par contre, faut crever un moment, monsieur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait?
merde. Putain, il recule comme un camion Ben, le pauvre Léon. C'était là-bas, oh. On dirait des drogués. C'est un peu ça, en soi, hein, Céliale. Ok, c'est bon. On a encore perdu un peu de vie, tant pis. On va recharger tout ça. Trop prévisible ce jeu. Bah en même temps, là, tu rentres, il y a un bidon explosif, tu vois qu'il n'y a aucun ennemi. Le bidon, il est là pour quelque chose, normalement. Après, c'est con parce que tu peux... Enfin, il était compliqué à shooter avant qu'ils arrivent, quoi. Donc, normalement, si j'avais été bien rapide, avec la Wiimote, j'aurais pu, boum, le péter direct quand ils sont rentrés et en buter beaucoup plus qu'un seul. Là, c'était pas ouf. Mais bon. Ok, donc on a pris la clé. Peut-être qu'il va y avoir des méchants dessus encore, là, on va voir. L'air d'être bon pour l'instant. Je vais laisser Ashley là-bas en tant qu'à faire. C'est bon, ok. Les demandes toujours polies. Bah, ça m'arrive d'être poli, hein, des fois. Je sais que c'est rare, mais bon. Allez, viens là. On va l'attendre tranquillement. Hein. Toujours les femmes qu'on attend. Bonjour. Comparé aux zombies, ils sont hyper actifs, c'est vrai. Bonsoir Rayman, ça gaz, ça va? Ça gaz, très bien, ligne du 71 et toi? C'est verrouillé, bah non, j'ai la clé. Alors, je crois que on va rencontrer un petit monsieur pas très très gentil. Je crois que c'est Salazar ou Salazar son nom, si ma mémoire est bonne. Voilà. Ce rire pas inquiétant du tout, du tout, du tout. De toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Ah bah t'es là, Ophélie. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar. Ramón Salazar. The eighth castellan of this magnificent architecture. Ils sont pas beaux les deux, hein, autour de lui. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethren. Qu'est-ce qui se passe à coucher de toi? Rien, ça doit être le Jim Royal. Ça va, je l'ai éclaté au lance-roquette, donc j'ai aucune idée de comment se déroule le camp. Bah on verra, je pense pas que je le ferai au lance-roquette. Donc du coup, il aurait pu me buter là, mais non, il le fait pas, parce que sinon... Bah, s'ils le veulent, tu le deviendras. Find a cure. Bon. Alors, de mémoire, il y a un trésor, je crois, au plafond, ici. Ok, il est au-dessus de moi, là. Je crois qu'il est... ici, si ma mémoire est bonne. Ah, ok, ça va. Donc, évidemment, c'est le passage qu'il faudra emprunter. Et il y a une fresque à compléter. Voilà, c'était bien ça. D'ailleurs, on va même faire mieux. Hop là. La ballonnette qui fait plaisir. Ok. Si yo soy el monstruo magnifico, el pirate de los Caraïbes. Il y avait une machine à écrire, donc il doit y avoir un machin pas loin, j'imagine. Pas du tout. Ok, très bien. Bah, il n'y a qu'un seul endroit dans lequel on peut aller. Putain, il n'y a pas de marchand avant un bout de temps là. Ah putain, cette salle, je me souviens. Enfin, je crois me souvenir. Je crois que c'est celle que je crains le plus dans cette partie du jeu. Avec la statue là. Je crois. Ok. On a des petits trucs à éclater. Voilà, j'éclate des pots au couteau, hein. Sans aucune pression, bien sûr. Et on dirait le bruit des vases qui se cassent dans Wind Waker, d'ailleurs. Du peu que j'ai entendu les bruits. Ok, et ici je crois qu'il y avait rien. Rien du tout. Rien du tout du tout. Ok. C'est le réflexe de Zelda qui revient quand il défonce les poings, tu vois.
C'est pas Zelda, laissez pas tranquille. Vous avez tous eu la même réaction, c'est joli. Ah, ils sont habitués. Hein. Ouais, bah. Je les comprends. Alors, Ashley, et si tu restais là? Wait. Oh, yo, Léon, tu te calmes un peu, oui. Alors, on a une note au bout. Hop. Putain, je sais ce que c'est. Oh là 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 là. Ah oui, cet ennemi. Oh là là là, il est dur lui. Ah, je me souviens. C'est elle même pas non plus. Ah ouais, non, je déteste aussi ce passage. Ah, ce putain d'ennemi, je me souviens comment on le bat, mais Ah, j'ai pas hâte d'y être. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, je crois qu'il y a deux types en bouclier qui se ramènent. On est d'accord que c'est le bruit des vases dans Zelda. Dans Windmaker en particulier. Hey. Ils ont été recyclés. Ouais. Comme qui a demandé. Mais il y a des jeux comme ça où des fois je reconnais des bruitages qui sont dans d'autres jeux. Hein. Les gars, on n'avait pas le budget pour faire le bruitage des vases. Alors, il y a la lampe au-dessus là qui pourra nous servir. Par là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit loot que j'aurais oublié? Direct non. On peut pas l'ouvrir ce truc là? Non, on peut pas. Ok, allez, venez messieurs. Ah bah non, c'est pas là alors. Bon bah ça doit être quand on revient. Ah oui, il y a ce truc là aussi, je me souviens plus de ça. Alors, voyons. Capturer Luis Serra. Je sais désormais que Serra est entré dans le château. Pourquoi revient-il pendant son évasion? Je me demande quelles sont ses intentions, mais nous devons profiter de l'occasion pour le capturer. Nous occuperons des deux Américains après avoir mis la main sur Serra. Il a pris des vaccins quand il a volé notre échantillon, voilà, les fameux. Les vaccins ne sont pas très importants, mais nous devons à tout prix récupérer cet échantillon. Notre vie en dépend. Mm-hmm. Il doit y avoir un groupe ou quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire, donc ça fait quand même 3 ou 4 fois qu'on nous le dit, ça. Si cet échantillon tombait entre les mains de cette entité, le monde que nous voulons créer ne verrait jamais le jour. Nous devons capturer Serra le plus vite possible. Mm-hmm. On ne sait pas encore ce que c'est que ce fameux échantillon. Et c'est pas la première fois qu'on en parle. Ce échantillon. Ouais. Une herbe jaune. Toc, toc, toc. On va la mettre là, oui. Puisqu'une herbe jaune seule ne sert à rien. Hop, toi, t'es pas dans le bon sens. Et toi, t'es pas rangé. Voilà, on est mieux comme ça. On est bon. Je vais recharger ça. On peut en avoir besoin assez rapidement. Et toi aussi d'ailleurs. Hop. La grande salle, c'est celle où tu dois baisser le pont. Ah, peut-être, je sais pas, je sais plus. Bon, je vais laisser Ashley où elle est pour l'instant, hein, elle est safe là-bas. De la prison, et voilà, c'est ici. J'aime pas ce passage. On va retourner sauvegarder déjà. Comme ça, ça nous fera la fameuse salle là qu'on vient de faire. Je préfère pas changer de jeu. J'aime pas du tout ce passage non plus. Il est franchement, il y a assez peu de passages qui sont très flippants dans ce jeu, mais je trouve que celui-là il en fait partie. Il y a ça et plus tard dans le labo aussi, bah du coup, d'ailleurs le même ennemi, je crois. Quand t'es dans je des. Je me souviens plus de quel ennemi c'est. Ah bah, tu t'en souviens plus? Non, je m'en souviens plus. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, mais. Moi, je m'en souviens. Je me garde la surprise. Il lui manque un sens, si ça peut t'aider. Ah, ça me dit quelque chose, mais. On va s'armer directement du pompe. Hein. Je vois plus à quoi il ressemble en fait. Regarde, on le voit là-bas. Ah oui, c'est bon. Okay. C'est bon, tu t'en souviens maintenant? Oh putain, ce passage. J'aime pas ce passage. Vraiment, il est... Le Régénérados, c'est ça. Gérard, je quitte le jeu, j'ai trop peur. C'est de lui que je parle, c'est Yal. Il me semble que les journaux ne sont pas parfaitement rangés par couleur. Ah ouais? Ah oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Du coup, ni on va par date ça. D'obtention, d'ailleurs. Ah voilà, je préfère les mettre comme ça. Voilà, là on est bien parce qu'on a les deux pas la bonne couleur qui sont du même côté. Ok.
Bon, bah on va se préparer à utiliser du soin. Hein. D'ailleurs, tes munitions sont pas classées par ordre croissant dans lesquels tu les as. C'est vrai? Ouais. T'as 10, si, 10, si, 10, si, 10, si. 3. Bah oui, mais c'est bon, non, mais je mets le celle où il y en a le moins sur la droite en fait. Donc du coup, non, si c'est bon, c'est classé. Non, ça me perturbe, change. Non, c'est pas celui-là, régénération. Non, d'ailleurs, je pourrais je mettre sais. Les bleus avant. Les bleus, vert, rouge, si possible. Si possible. Ou bleu, blanc, rouge, si tu veux. Donc il y a des cloches. Elles vont nous servir. Du coup, il n'y a pas de... Je croyais qu'il y avait du loot quand même. Ah, voilà. Petite herbe. Calme. On va se prendre des coups. Hein. On va probablement se prendre quelques coups. Je sais plus ce qu'il faut faire pour activer le fight. Je crois pas qu'il fallait lui tirer dessus. Au pire, là, que le déclenche pas. Hein. Même le chat de Saku a peur. Quoi. Si j'ai peur, je rachis, je te préviens. Il fait peur, lui, hein, je te le dis tout de suite. On pourrait faire un dégradé de couleur dans l'inventaire. Voilà, il est pas beau, hein. Putain, ça me rappelle ça. Je sais plus si on peut lui mettre un... On peut lui mettre un coup ou pas, les gars. Peut-être que tu peux le tuer, non? Ah oui, bien joué pour les munitions de fusil à pompe, merci. Elles vont nous servir. En vrai, pour vous, je pense pas qu'il sera flippant, surtout pour Yeoman qui ouais. va être stressant. Il est stressant, il est très stressant. On va prendre ça. Non, on peut pas, hein. Je crois qu'il nous attaque. Enfin, il se libère et il nous attaque. Bonjour. Je vais mettre un peu le son. Désolé, je vais pas beaucoup parler là. M'en voulez pas. Tu veux que je parle à ta place? Le vrai problème en fait, c'est que voilà, on sait pas trop où on va dans ce truc. Je l'ai pas touché, je crois. On ne voit pas le mec en fait, c'est ça le vrai problème. Ok. Pour l'instant, on est safe. Même moi, je stresse alors que je suis juste du joueur. Vous n'êtes pas juste viewer. Sauf c'est elle. Typiquement là, je sais pas ce qu'il fait, vous voyez. Okay, on a vu sa griffe dépasser. C'est Wolverine, mais en méchant. Bien, Wolverine, il est pas forcément très gentil non plus. Je le rappelle, il ne peut pas nous voir. C'est le principe quand t'as les yeux éclatés normalement. Faut pas passer loin. Il peut te one shot lui? Oui, il peut te couper la tête. Je ne suis pas fait pour jouer à ce genre de jeu. Mais si, tout le monde l'est. En vrai, c'est trop stressé. Il est trop stressant ce fight. Yes, lui. Ok, bon, on s'en est sorti sans prendre de dégâts. C'est très bien, en vrai. 15 000 balles, hein, il lâche. Ça va, je m'en suis bien sorti à jouer au fusil, en fait. Faudrait qu'ils en mettent 3, plutôt, pour que ce soit plus facile. Mais il y a plus loin, je sais plus, si plus loin dans le jeu, il n'y en a pas deux d'un coup. Je dis peut-être une connerie, mais... Il me semble aussi, c'est pour ça que je dis ça. Il me semble qu'il y en a deux à un moment. Ouais, je crois. Et ouais, en fait, bah, quand tu tires sur l'un, bah, du coup, l'autre l'entend et vient te défoncer la gueule, quoi. Donc, c'est embêtant. Attendez, j'arrive tout de suite. Je vais boire un coup d'eau aussi. Ça m'a donné la gorge sèche, ce fight. Je confirme, il y en a un qui est plus résistant. J'aurais pensé qu'il serait plus dur. Bah, moi aussi, honnêtement, Dark Fae, après, vu que je m'en souvenais. Ça n'a pas le même effet. Je te garantis que quand tu fais le jeu pour la première fois et que tu le vois débarquer, lui, oh, tu serres les fesses, hein. Ouh, loulou. Dont un full armure. Ça, vous voyez, je me souvenais pas. Bon, bah, on verra plus tard dans le jeu. De toute façon, faudra bien y passer un moment ou un autre. Ok. Ça, on peut recharger la petite balle manquante. Et en vrai, j'aurais peut-être pas dû, parce que là, il va falloir commencer à penser à peut-être améliorer les contenances. C'est pas grave. De toute façon, on va faire ça. Je m'en fais pas. Ashley est toujours safe là où elle est, hein. On l'y laisse. Et là, je crois qu'il y a des méchants avec des boucliers.
Non. Putain, ça, pourtant ça... Ah, ah voilà, je disais. Pas du tout des boucliers, du coup. C'est... Vas-y, approche, mon ami. C'est... Putain, il est passé, l'enculé. Retourne là-bas, toi. Ok, un de moins. Allez, Darth Maul, là. Ah, putain de merde. Ok. Non, toujours pas. Je crois qu'il leur faut 5 balles pour crever. Merde. Merde, 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 merde. Ok, 5 balles. Putain, toujours pas. Faut mourir, monsieur, hein. Mais putain. Eh ben, mais donc. Il a eu du mal, lui, hein. Ah, l'enfoiré. T'imagines, il est bugué, il peut pas mourir. De ouf. Bonne nuit les gens, bonne nuit à toi Simen 6. Il est presque 80. Je me demande si le jeu est en 60 FPS sur Switch. Oui, il l'est. C'est, ça ne tient qu'à vous de mettre des pouces bleus. Hein. Oui, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Si le stream vous plaît. Si vous serrez bien les fesses avec moi. Ok. Je vais retourner sauvegarder peut-être d'abord. Ça peut être une idée sympa. Parce que là... Ouais, non, c'est cette salle. Ok, d'accord. Ah oui, après je crois que c'est la salle des statues. Franchement, je suis content de ne pas avoir perdu de vie contre le Wolverine. Hein. Il était plus dur que le boss. Peut-être pas quand même. C'était pas un boss après, hein. c'était un... On va appeler ça un mini-boss, mais... Bon, Ashley, viens là. J'allais te dire le Darth Maul, bah ouais. En vrai, il leur ressemble, enfin, ses ennemis-là ressemblent de ouf. Ah, bonjour. Ah. Au revoir. Faut pas passer loin, lui. Alors, Ashley, tu vas retourner où t'étais, en fait. Hein, bon, on va ça va, pour nous, c'est tranquille. Oui, pour vous, c'est toujours tranquille. Oui. On s'en souvient aussi dans Resident Evil 1 et 2, quand on les a fait. C'est tranquille pour vous. Hein. Vous saviez pas Mister X derrière vous. Allez, monsieur, là. Ah non, mais non, je suis con, il a un bâton de dynamite, il va pas bouger, cet enculé. Après, vu qu'il faut être précis là. Faut pas forcément être précis, on va plutôt utiliser le TPMP. Là. Ah, mais une arbalète aussi. Ah oui, ça c'est pas cool ça. Est-ce que je peux l'avoir de là où je suis? Non. Là par contre, je peux. Merci monsieur. Ah, il y en a un autre. Mais attends, mais l'autre il est crevé avec ses bâtons de dynamite là ou quoi? Peut-être qu'il avait. Alors, est-ce que la statue est buggée à votre avis? Non, elle ne l'est pas. Ok, ça va. Ils auraient pu en faire un bloc, vous voyez, et du coup je l'aurais eu dans l'os. Ils ont pensé à tout, c'est incroyable. Il est passé où? Le mec à la dynamite, je pense qu'il a dû crever avec son propre bâton de dynamite. Hein. C'est pour ça que ce jeu est supérieur au 5 et 6, c'est de l'action, mais ça garde le côté flippant avec des passages bien chauds. Ouais, c'est ça, mais c'est le meilleur. Ouais, les miaou, c'est un classique, Ophélie, t'inquiète. Nous, c'est tranquille, moi j'ai le stress de ouf quand même quand je regarde. Beaucoup trop d'empathie. Une petite grenade, mais non, il n'y avait pas besoin. Bon, bah non, il a dû vraiment crever avec sa dynamite, hein, l'autre. Bon, tant mieux. Alors, j'aime pas ce bruit. Ah, là-bas. On l'a vu l'espace d'une demi-seconde. Il est retourné se cacher ou quoi? Il est passé sur la gauche. Ouais, d'où? Mais il a pas l'air de... Monsieur, tac tac tac. Ils sont deux. On va arriver avec un gros coup de pompe là-dedans, je pense. Ou alors, non, on va prendre la TPMP en fait. On va rester sur la... Là, comment? La stratégie de base. Je recharge pas mon pistolet, c'est volontaire. Oui, le chat. Remarque, attendez. Ah non, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de pas recharger le pistolet parce que là. Bon, il faudrait que je revienne en arrière, sinon juste pour l'améliorer. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. La TPMP. Ouais, bah ouais. Ta voix est un poil en avance sur les actions, tu t'auto-spoil. Ah ouais, je sais, mais je sais pas à quoi c'est dû ça. Il y a un petit délai avec la caméra.
Je sais pas trop comment le régler, malheureusement. Il y a peut-être moyen, je sais pas. Pouce bleu pour le chat. J'hésite à revenir en arrière juste pour améliorer mon pistolet. Bon, on va voir déjà. On va y aller avec la TPMP. Par contre, c'est de la dynamite infinie ou comment ça se passe là? Ah oui. Voilà, ok. Putain, le temps qu'elle a mis à péter le truc. Ok. Ça c'est bien. Il n'y avait rien d'autre. Ils avaient posé des petites balles de pistolet là, au cas où. Ça pourrait servir. Allez madame, viens là. Est-ce que vous pouvez avancer sans la fille du président et déclencher la suite de l'histoire comme... Non, 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 les portes... en fait, regardez. Les portes, voilà, où c'est en vert comme ça, t'es obligé d'avoir Ashley avec toi pour pouvoir la passer. Elle peut pas rester derrière. Je crois pas que tu puisses revenir en arrière, la porte est fermée. Non, bah non, regarde. Hop, là on voit que toutes les portes sont ouvertes, hein, donc... Mais bon, on est des warriors, on va... après, ouais, pour deux balles... J'ai quand même bien envie de le faire, hein. Ouais, on va le faire. Ça fait une petite pause comme ça. On va revenir en arrière, on va aller voir le marchand et puis améliorer nos armes. J'ai amélioré la TPMP aussi, tiens, tant qu'à faire. Parce que je sais pas si une fois que j'ai passé la porte, j'aurais passé la prochaine porte, si je peux revenir en arrière ou pas. Ça au moins on va sauvegarder. Bon, en marche, je sauvegarderai plus tard. Là, il n'y a pas d'ennemis, hein, donc on peut y aller. Pourquoi t'as pas laissé Ashley t'accompagner? De quoi? Ouh. La prochaine salle, tu vas chier. La pire des jeux. Bah, moi, ça, je trouvais que ça allait en vrai. Faut juste faire gaffe à Ashley, quoi. Je crois que. Sérieusement? What? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ashley, non. Wait. Alors. J'arrive, je fais du bon, non? Ok. Ah bah c'est bon. Mais, what the fuck, pourquoi ils sont là? J'aurais pas dû revenir en arrière. Je crois que de toute façon, à un moment, on sera obligé de revenir en arrière, donc. C'est bon. Mais non, je suis con. Pourquoi j'ai utilisé des buffs? Je suis un débile. Tout scramé, c'est bon? Ok. Putain, ils m'ont pas laissé un seul loot, quoi. Bon. Genre, tu as demandé de rester sur place. Pourquoi? D'accord, je viens de comprendre. Ah oui, parce que ça, bah, comme ça, elle est safe, en fait. J'essaye de la laisser à des endroits où elle peut être un peu tranquille, quoi. Oui, juste après, ok. Pourquoi ils veulent la choper mais pas la tuer, Ashley? Parce que leur but en fait c'est de la garder vivante avec un parasite. Comme ça, ils la renvoient aux États-Unis et bah elle est, ils peuvent la manier comme ils veulent, quoi. Voilà, ils veulent demander une rançon puis utiliser pour avoir quelqu'un de proche du président qu'ils peuvent contrôler. Seyal a tout bien résumé. Welcome. Le Renan, on va améliorer la contenance du coup. Ah, voilà. Je pourrais pas le faire refaire avant un certain temps. Et le Riot Gun. Non, pas le Riot Gun, c'était le TPMP que je voulais augmenter. Voilà. Comme ça, on a gagné 100 balles directement de TPMP. Le reste, pas besoin pour l'instant. Est-ce qu'on n'améliorerait pas quand même la puissance de feu du Ren 9? Allez. Hop. Voilà. Come back anytime. Tu as combien de thunes? Ah oui, vous le voyez pas. J'ai 74 000 balles là. Donc je suis large. Concrètement. Je vais pas le recharger tout de suite. Le Riot Gun, on va voir. Si j'ai besoin de le charger plus tard ou pas. Hop, on va juste remettre la grenade à sa place. Voilà. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent encore. En fait, je connaissais pas ce Resident Evil, du coup j'ai cru que c'était une coéquipière qui savait se battre. Non, pas du tout, pas du tout. Là, justement, la particularité de ce Resident Evil, c'est qu'il y a quelqu'un à protéger.
C'est un peu l'inverse en fait. Voilà, exactement. C'est bon là, ils ont pari pop. Parce que je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant là quand même ici. Ce serait rigolo qu'on puisse le faire en coop le jeu, mais genre quelqu'un qui contrôle Ashley qui peut rien faire, juste se cacher. Ah, super, alors là vraiment. En vrai, ça pourrait être bien. Ouais, je sais pas trop, mais. Ouais, c'est ici. Attendez, j'arrive. Hop, genre impossible de la cacher dans les poubelles ou autre, tu dois vraiment la protéger. L'autre peut juste esquiver. Bah, alors, franchement, ça rendrait le jeu beaucoup trop simple à hein, certaines phases. Ouais, mais s'il rajoute des ennemis ou autre pour ce genre de mode. Ouais, peut-être. Ouais. Bah voilà, tu tiens une idée, ils vont pouvoir faire une nouvelle réédition de Resident Evil 4. Nice! Pour sortir sur une 11ème machine. Connais-tu la famille royale de Belgique? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement ravagé par la colle, Titi Boy. Bah, s'il est belge déjà. Ouais, c'est vrai que ça commence mal. Ça existe déjà, CF, le genre 2 de Galaxy. Oui, mais pas dans Resident Evil, du coup. Parce que c'est vrai que dans Galaxy, ça sert à rien, le genre 2. Alors, salle suivante. On va pouvoir avancer. Dans Galaxy, c'est juste pour que ton gosse te foute la paix. Tiens. Ouais, c'est exactement ça. Ah oui. Je m'en souviens maintenant. Alors, comment est-ce qu'on va régler ça? Bon, déjà, il va y avoir de la grenade, c'est sûr. Maintenant. Alors, je crois que non. On doit pouvoir les sniper en fait directement. Ça va être chiant. Je le sais déjà que ça va être chiant. Tiens, c'est à cette salle que je pensais tout à l'heure. Comme ça. Comment elle est morte? Elle s'est pris un carreau d'arbalète, je crois. Ça va être embêtant, cette histoire. Ah là, ça pique un peu, mais tu meurs pas. Hein. Ça pique un peu, ouais. Ah oui, d'accord. Pas le temps de réfléchir, quoi. Pas le temps de niaiser. Quelle stratégie pourrait-on adopter pour cette salle? Et est-ce que je re-soigne Ashley aussi? Parce que là, visiblement, elle se prend une flèche, elle meurt. Ouais, donne une petite herbe toute seule. Si c'était moi, j'en tirerais les conséquences en me retirant de la vie politique. si tu butes le gant rouge, ça fait comme le roi de la Nice et marche. J'aimerais bien. Tu crois que je devrais soigner Ashley, Seyal? Ça me fait chier, honnêtement. J'ai pas très envie de la soigner. Bon, tu me diras, va bien falloir un moment. J'aurais bien aimé, genre, utiliser un œuf ou une connerie comme ça, plutôt sur. Contre ouais, Ashley balance, pour Ashley, bon, on va utiliser une incendiaire, je pense. Non, en vrai, on va utiliser une grenade normale directement en face. Putain, il est, là, quand il a une grenade, Léon, il est vénère, quoi. Alors, vous le voyez quasiment pas à cause de la caméra, dommage. bon, comment... Je réfléchis en même temps à la stratégie que je peux adopter, hein, mais bon. Ouais, ça va être fonce dans le tas. Hein. Ah oui, d'accord. Dans le genre lancer nul, on est bien, quoi. Peut-être la foutre dans un coin. T'es pas à portée, pourquoi t'as fait ça? Il y en a un autre là-bas. Ok. Utile que Rickon Stark. C'est vrai qu'il a été bien inutile dans la série. Bon. Alors là, j'ai pas compris pourquoi, mais ils ont décidé de pas me tirer dessus à l'arbalète, donc bah, tant mieux. Le Riot Gun, en vrai, faut que je le recharge, mais là, j'ai pas le temps. Y a des boucliers aussi qui arrivent là. Allez, le doubler. Oh là 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 là. Eh, c'était beau ça. Et B, c'est dommage. Il y a un système de rang, si tu galères, il baisse la difficulté. Ah ouais? Ah, je savais pas ça.
C'était si bien parti. Ah ouais, on est d'accord. Putain, j'étais fier de mes deux tirs, là. Bon, je vais soigner Ashley, hein, j'ai pas le choix. On va même lui augmenter sa vie, je pense. Quoique, nous, ça vaut pas le coup, en fait, non, de lui augmenter sa vie. Je vais juste lui donner une herbe. Voilà. Et puis YOLO, hein. On va suivre la même strat que ce que j'ai fait juste avant, sans balancer ma grenade dans l'eau, cette fois. En plus d'un de moins. What? Pourquoi il est parti? Il est bugué l'autre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? What the fuck? Les gars! Ils se sont dit non, pas envie. L'autre il s'est barré, il s'est juste barré. Ok. Allô? Pourquoi? Il a pas pris de stun du tout. What the fuck happened? Ok, la suite. Il a développé. T'es ouf! Bah, falloir soigner Léon. Non, j'ai pas besoin encore. Je vais attendre qu'il soit encore plus bas en vie pour lui remettre un remède total. Non, Panu Manu, je veux vivre. Cette fois, on va essayer de faire gaffe. Je sais pas, est-ce que je suis moins rapide quand je suis blessé? Normalement non. Oui, normalement non. Hein. On va utiliser la deuxième grenade incendiaire ou pas? Ouais, si, c'est plus pratique contre les boucliers. Vaut mieux utiliser ses ressources là dans cette pièce parce que... Ok, il y a le Plaga qui se balade toujours là-bas. Il y a un mec qui est au fond qui nous regarde. S'il nous donne des balles de fusil, on va s'en servir. Ça a l'air d'être pas mal ça. Ok, pour l'instant on a l'air plutôt safe. Cette salle n'a absolument aucun sens, les ennemis sont pas codés comme d'hab, ils se déplacent en rail. Oui, non mais d'accord, sinon t'es moins rapide quand t'es blessé, mais c'est pas énorme. Ah oui, donc t'es moins rapide quand même. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Ça limite dommage, mais bon. Bon, on va recharger ça. Pourquoi t'as pris ce... C'est pas les bonnes munitions que t'as pris, mon ami. Ok, on va recharger ça aussi. Et on va jouer à Zelda. J'ai un peu de temps, là. Ok. Ah oui, je me souviens de la suite. Ok, là les suivants. Ils sont relous les boucliers en fait, putain. Moi ouais, j'utilise balle par balle là. Rapproche-toi un peu, mon ami. Ouais, super. Ok. J'ai bien envie de laisser Ashley à l'entrée, mais si ça se trouve, il y a des mobs qui vont réapparaître et j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. J'ai vu qu'il y avait de la thune qui était tombée là-bas. Ok, pour l'instant, là-haut, pas besoin. Alors. Lucifer n'a jamais... Ah bah Lucifer, je viens de finir moi les 4 saisons, j'ai trouvé ça vachement cool. Tu as besoin des bottes collantes pour y arriver. Y a une porte là, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Ah bah non, c'est par là où ils sont arrivés juste en fait, ok. Bon, on va avancer tranquillement. Ok, il y a un monsieur là-bas. On va le sniper d'ici, hein, voilà. Un Darth Maul. Au revoir, la musique inquiétante est toujours là. Donc ça veut dire qu'il reste des ennemis. Ça m'a toujours fait rire dans les jeux vidéo. Oh, bonjour.
Je vais essayer de le sniper. Hein. Visiblement, Ashley est inquiète, donc on doit être poursuivi. Enfin, il doit courir, quoi. Ah non, pas du tout. Ok, un plaga, j'ai bien fait. Voir. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise? Il faudrait que j'utilise mon gun là plutôt. Parce que bon, ok, j'ai des balles de. J'ai pas mal de balles en stock de fusil, mais enfin quand même. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Ophélie? Oh. Une photo de chien. Où sont les suivants? Je pense que là on a tout fait. Hein. Attends, sur le côté là, y a pas des loot. Pas d'ennemis en tout cas pour l'instant. Je suis très très prudent parce que bon, je suis quand même midlife. Ok. Visiblement y a personne. En tout cas, je ne vois personne. Wait. Ok, là c'est les entrées. Et là y a rien. Ok, bon. Ça m'a l'air plutôt safe. On va prendre les loot. Voilà, donc les grenades sont remboursées. Je suis de retour, donc on n'oublie pas le pouce blé. Merci, c'est gentil, Grievous. Et vous avez raison, n'oubliez pas le pouce bleu. Ok, on est bien. Bonjour. Personne. Visiblement. Viens là, du coup. Ok, une petite salle safe. Putain, y a une façon d'ouvrir les portes, Ashley. Ok, ok. Wait. Matano. On va les attendre tranquillement ici, puis on va laisser Ashley dans la salle après. Ça va me permettre de regarder le chat un petit peu. Moi, il ne faut pas penser à Dark Maul, mais au mec Obi-Wan dans... Ou Obi-Wan dans le 3 combat Grievous. Quoi? Ah bah non, on ne veut pas faire ça. Parce que quand même, je suis là, quoi. Tu veux pas, genre... Putain, il s'est rué sur Ashley quoi en arrivant. Ah, attendez, ça ne va pas ça. Voilà. Il me reste. Ça va, j'ai une. Comment? Ça reste assez fixe les spots que j'ai. Enfin, les places que j'ai dans mon sac, donc tant mieux. Il s'est cru où? Oui, non, mais c'est clair. La politesse, même pas bonjour. C'est exactement ça. Je vous entends. Hein. Il y en a un qui est juste derrière la porte. Ok, je reviens derrière. Dangereux parce que là, si là, il y en a un qui arrive et qui ouvre la porte. C'est pas dans la merde. Et bah voilà. Putain de sa race de bouclier de mort. J'aurais dû mettre un coup de pompe. Ces boucliers. C'est pas grave pour Ashley pour l'instant. De toute façon, il doit passer par moi et qu'une seule porte. Ah merde, ça par contre c'est pas bon parce qu'Ashley est à côté. Ok, ça va. Ah putain. Deux plagages quoi. Je sais pas si c'est random ou pas les plagages. Un autre qui a débarqué en mode Spider-Man là. Hein.
Putain, mais ils sont combien? Merde, j'ai plus de balles, putain. Va falloir y aller à grenade. Ah, fuck. Je rêve où HK se cache sous ses mains. Ouais, y'a pas de meilleure protection. Comment on va faire là? Mon gun est pas rechargé. Tant pis, il faut. J'avais pas le choix. On va faire ça. Ah, je savais pas, tiens. Ah, je pensais pas. Fuck. Pour l'instant, on va pas se re-soigner, on va prendre le risque, tant pis. Non mais c'est pas possible, merde. Tranquille, tranquille. Comment il s'est cassé la gueule? Voilà, reste couché. Eh bah putain! On aura pris bien cher, hein? Follow me. Donc toi, tu vas clairement rester ici. En vrai, je vais peut-être utiliser le spray, hein. Je sais pas trop. Ils auraient pu la faire un peu plus badass, j'aurais voulu faire bien, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour le coup, Ashley, ça, c'est vraiment le stéréotype de la princesse à sauver, quoi, dans ce jeu. Bon, on va en profiter déjà pour recharger les armes, ce sera pas une mauvaise idée. Et ce sera pas du luxe. Vu qu'à mon avis, il en reste, vu que la musique qui fait peur n'est pas terminée. Et la TPMP, je l'ai bien utilisée, hein, mine de rien. Notre stock de balles fond à vue d'œil. Voilà. J'hésite toujours à utiliser un remède là. À utiliser celui-là. C'est dangereux de rester à ce stade-là, enfin avec, avec aussi peu de vie, donc. Là, Léon se colle le petit doigt de pied, il meurt. Elle sert à quoi acheter dans l'histoire? C'est la fille du président qu'on est censé. On est venu la sauver en fait à la base dans le jeu. En plus de protéger ses fesses, Léon doit aussi protéger celle d'Ashley, ouais. Petit tips, reload la salle après avoir envoyé acheter. Ashley, tu n'as. Hein? Ah, d'accord, revenir en arrière, du coup, tu veux dire Zolo, Zolo des eaux? Donne-moi le détail de ce que tu dis, parce que je me rappelle pas exactement de tout. Non, il faut que je me soigne, putain. Chier. C'est pas rentable en fait de l'utiliser là sans herbe rouge. Limite, c'est peut-être plus rentable même d'utiliser une herbe verte simple ou de combiner les deux là. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Pour l'instant, on va la laisser là. J'ai... Ah! Bonjour, au revoir. C'est plus pratique de les avoir ici. Ta gueule. Ce qu'on va même faire. Allez, viens, je t'attends. Faut venir, monsieur, par contre. Hein. C'est vrai, je suis con. Je suis complètement con, mais quel débile! Putain, j'ai vu qu'il avait un casque et j'ai essayé de lui mettre un headshot. Connard que je suis. Eman refait les doublages. Non mais c'est vrai, on comprend. Fais pas l'erreur de reload trop tôt, sinon tu vas tout te retaper. Je vois pour l'instant, je vois pas. Enfin, je me rappelle du passage avec les manivelles et Ashley. Mais ça me dit rien ton coup de reload de la salle. Ok. Je
me rappelais plus qu'elle était aussi longue, hein, cette phase. Mais pourquoi ? Ok. Je vais être super prudent là, hein, parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie de me re-soigner tant que j'ai pas trouvé une herbe rouge. Ils font le même bruit que les momies dans Ocarina of Time. Non. C'est la musique d'ambiance qui te donne cette impression, mais non. Mais c'est vrai que ça fait penser à ça, ouais. On peut pas voir les ennemis là-dessus, pour l'instant. Allez, viens là, Ashley. On va attendre qu'elle revienne. La phase d'après est bien chanceuse. Il faudrait que Ashley puisse faire un bisou magique qui redonne de la vie, 6. À quoi ça sert? Il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Je sais. Faut que ce soit Léon ou que ce soit Ashley, du coup, qui. C'est de ça que tu parlais, Zolo Deso? J'attends, je vais attendre que vous me répondiez. Parce que pour le coup, ça, j'ai bien envie de tester, vu que je connais pas cette astuce. Après, d'accord. On va dire que c'est Ashley qui va l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'il y ait des mecs derrière moi. Ok, pour l'instant c'est safe. Je vois personne, c'est très étrange. Je me souviens donc de la phase où Ashley va devoir monter pour tourner les manivelles. Et nous on va devoir empêcher les mecs de venir la chercher. Il doit y avoir des gens là-dedans, non? Est-ce qu'on peut y rentrer là-dedans? Wait. On peut. Il y a personne, ok. Viens là. Ah, c'était là où ils étaient censés me tirer des arbalètes tout à l'heure, j'imagine. Enfin, des arbalètes, des flèches. Il est en normal, oui, je suis en normal. Ça change quelque chose que l'un ou l'autre utilise la manivelle. J'en sais rien, j'avoue. J'ai dû toujours faire en sorte que ça soit Ashley qui l'utilise, moi. Donc. Il n'y avait pas 3 mecs normalement avec une faux. Peut-être, je sais pas. Tiens Tifa, Star du Valais, très bon choix. Je sais pas, je t'avoue. Après là, Léon, il est à l'article de la mort, donc... si je vois un mec avec une faux, je peux te dire que je vais bien me mettre loin, je vais bien le sniper. Hein. Trop loin. Pas mal ça. Pas mal du tout. Je me tâte toujours à en utiliser, hein, honnêtement. Hein. Ça vaut pas le coup. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas en fait. Putain. Alors, voyons. Là, il y a certainement des mobs qui vont apparaître. Voilà. Ouais. Jusque là ça va, Ashley, merci. Et du coup je crois que c'est là qu'on peut la faire monter, ouais c'est ça. On va commencer déjà par prendre tout ce qu'on peut. 10 balles de pompe, oh là là. Autant dire que ça annonce une phase sympa en général quant à ça. Tu diras c'est la faute de celle-là si jamais tu trouves une herbe rouge après. Je sais plus trop, je vous avoue, comment faire. Du coup, c'est à cette phase-là, j'imagine, Zolo. Le spray servant que à soigner, c'est rentable de l'utiliser et surtout moins risqué. S'il y a un serpent dans le vase, c'était mal, j'avoue. J'avoue que j'aurais pu crever là. Ouais, en vrai j'avais pas pensé à ça comme ça, mais ouais. C'est pas con, je vais l'utiliser en vrai. Je suis trop low life là. Allez, hop. Oh, j'avais reclassé toutes mes balles bien. Je fais chier le jeu. Hop. Donc là, en fait, on va envoyer Ashley tourner les manivelles à droite et à gauche. Et pendant ce temps-là, il y a des mecs qui vont arriver de ces portes-là et qui vont essayer d'aller la choper. Donc le but étant évidemment de les en empêcher.
sachant que moi je crois qu'il y a des ennemis qui m'arrivent aussi dessus. Hein, donc, Allez go. 69 balles de mitraillette. Ça pas très utile, tu les as tous tués, mais tu peux reload quand tu l'as envoyé en haut, ça pourra servir pour le chat. Quand tu l'as envoyé en haut, tu peux reload? Je comprends pas en fait. Regardez, hop, ça pop là-bas. Je vais juste vérifier que moi ça a l'air d'être bon. Ah, déjà. Ah, bonjour messieurs. Attendez, Ashley, j'arrive, 2 secondes. Ça va, j'ai encore de la marge. Oh merde! Putain, il me fait peur ce con. Je vais m'en reprendre un. Putain de merde, de merde, de merde, de mort! Sérieusement? Putain. Eh, je vais crever. Ashley, elle est morte. Baiser. Ah, fait chier. Allez-y, vas-y, emporte là, mon pote. Tiens, dans ta gueule, toi. Leon, ta gueule. Ta gueule, j'ai dit. Heureusement que tu t'es soigné, c'est clair. Putain, chier. J'espère que le checkpoint il est pas trop punitif ici. Ok, ça va. Ça va, ça va. Bon, cette fois au moins on sait à quoi s'attendre. Il y a des petites phases un peu de die and retry des fois dans ce jeu qui peuvent te permettre éventuellement d'économiser de la vie ou des trucs comme ça. Allez, on est reparti. Je te conseille de snapper les deux mecs qui viennent vers Ashley direct. Bah c'est ce que, en fait c'est ça, mais je pensais pas qu'il y en avait un qui était si proche d'elle, si tu veux. Mais oui non, c'est clairement ce que je voulais faire à la base. Hein. Ouais, t'inquiète. On a vu ton slip. What? Merde, mais sérieux? Non, ouais, 2 secondes. Une balle dans les pattes. Merde, j'ai une chine de trop. Ok. C'est bon, Ashley est safe pour l'instant. Il y a juste les mecs là, hein, mais je vais me les faire tranquillement. Normalement, moi je suis safe là. Tu m'as fait peur. J'ose espérer, Ashley, que tu ne vas pas faire la connerie d'y aller alors qu'il y a plein de mecs là. Eh bah si. Oh, j'ai failli tirer dessus. Je vois pas. Oh, j'ai failli tirer sur Ashley. Ça aurait été trop drôle. Oh, oh, de merde. Ok. Interception. Voilà. Ok, moi je suis safe. À l'instant là. On a l'air d'être bon. Ah non, il y en a un autre. Merde. Manquerait plus que ce soit un plaga. Ça m'a l'air bon. Ok, on n'a pas perdu de vie, donc
ça va, j'ai utilisé un peu trop de munitions à mon goût, mais bon. Voilà, allez, on va pouvoir passer. Et du coup, passer à la phase suivante, surtout. Léon, ta gueule! Bah, c'est bon, t'allais pas non plus te faire mal en sautant toute seule, là, va pas me faire croire ça. Alors, il y a toujours une musique qui fait peur, mais y'a plus d'ennemis, je comprends pas. État des troupes, déjà on va recharger le fusil. Et si tu touches Ashley, oui elle meurt. Tu peux buter Ashley hein, concrètement dans ce jeu. Des fois t'en as beaucoup très envie, mais bon. Tu le fais pas parce que sinon bah c'est fini, du coup c'est pas ouf. Ok. Bon bah let's go hein. Je vais reprendre juste le pistolet. Voilà. Bon tu suis. Ok ça va, elle suit. Tu entends faire hé. Y'a mes tes coups d'assai. Ah bah wow, elle est là, je l'ai tranquille. Et on a fini. Ouf. Pour l'instant hein, bien sûr. Alors, une salle un peu plus safe, normalement. Je crois qu'il y a un marchand là-bas. Ah je crois, c'est pas le stand de tir aussi ici le premier. Je crois. Il y a un trésor, mais je crois qu'on peut pas encore y accéder. Je ne sais plus. Ah si, on peut tout à fait y accéder en fait. Ah ok, non, c'était juste une grenade. C'est ça le trésor? Ah non. Okay, c'est, il est au-dessus en fait, je crois le trésor. Si c'est ça, oui, c'est ça le premier stand de tir du coup. Ok, bah, on va le faire. Ah, des balles de TPMP, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Bien, mais j'aimerais surtout une herbe rouge. Oui, je vais rester là. Ok, je vais éclairer la salle déjà. Il peut pas l'ouvrir ça, non. Attends, des fois c'est tentant de lui tirer une balle. Ah non, c'est vrai, elle est insupportable des fois. Hein. Leon, David, franchement, si j'étais là, je fais ferme ta gueule. Ferme-la, à tout jamais. Rien ici, on va aller voir à l'étage. Et voilà, je crois que le trésor il est derrière une grille comme ça. Ah non, il est en face là, regardez, il est en face. Il est en face et on pourra y aller plus tard avec les lampadaires. Les lampadaires, avec les lustres. Les lampadaires, n'importe quoi. Les balles sont pas triées, c'est vrai, mais là j'ai la flemme. Il faudra que je le fasse, je suis d'accord. Welcome. Alors déjà on va vendre, j'ai 101 000 balles, vous le voyez pas, mais je vous le dis, on va tout vendre. Is that all stranger? Ça on peut le vendre. Ah. Ouais. Ça. Ça oui, ça on garde. Ok, donc là on est passé à 170 000 balles. On peut améliorer le Red 9. Ah, on peut de nouveau améliorer la contenance, c'est bon à savoir. On peut améliorer la vitesse de recharge et la puissance. Ok. Est-ce que je l'améliore? Je sais pas trop. Et en bas on peut améliorer ça aussi. Ok, on pourra réaméliorer. Ah non, là je l'ai pas encore amélioré la contenance du fusil. Il faudra que je le fasse. Puissance de feu, on n'en a pas besoin en vrai. TPMP, on peut augmenter encore la puissance de feu. Bon, écoutez, hop. Voilà, ce sera fait. 16 de recharge, on s'en branle toujours autant. Parce que là, j'ai quasiment mon set d'armes final, hein, à part le Striker à la place du Riot Gun. D'ailleurs, le Riot Gun, je l'améliorerai pas plus que ça. Peut-être éventuellement pour la contenance, mais bon. Je sais pas si ça vaut le coup pour 10 000 balles. Le fusil, on le gardera jusqu'au bout et le TPMP aussi. Donc, en soi, je peux les améliorer, mais pour l'instant, pas d'utilité. Est-ce que t'as des nouveautés, mon ami? Tu n'as absolument rien. Je sais plus, je crois que ça vaut le coup d'acheter la crosse du TMP. Je sais plus trop. Alors, le stand de tir. Es-tu autant économe dans la vie que dans les jeux? Assez, ouais, assez. Après, par contre, je suis pas radin, quoi. Genre, ça me dérange pas de payer des gens des choses à des gens. Meilleur score 4000, on s'en branle. Puisque t'en parles, oui. Écoute. J'ai des trucs à acheter si tu veux. Voilà, j'ai été sûr. Alors il faudrait un petit appart. Moi aussi.
Welcome. Ah, toi. C'est embêtant. Je sais plus. Ça fait quoi déjà? Qu'est-ce qu'on gagne avec. Avec un appart? Franchement. Qu'est-ce qu'on gagne avec le stand de tir? Surtout payer des coups. Ouais, ça, je sais bien faire. Quoi que je l'ai pas fait hier soir. Ah oui, hier, petite anecdote, on a fini en soirée avec The Kairi hier soir. Ah, sympa. Ouais. Il a l'air cool en vrai. T'es un rapace dans les jeux, tu utilises pas un spray très. Non mais c'est vrai que je suis dans les jeux vidéo en particulier. Bah ceux qui m'ont suivi sur Zelda le savent. En termes d'économie de flèches, il y en a qui m'ont insulté dans les commentaires pour ça. Hein, qui disent putain c'est insupportable, tu utilises pas tes flèches et tout. Mais The Kairi, je l'avais croisé à la Paris Games Week, mais c'était au KFC. Ah ouais, d'accord. Par hasard. On a 100. Ok, on a une grenade aussi. Bon. Oui, c'est vrai, faut mettre des headshots, je suis bête. Sérieux? Bon, du coup, j'ai pas eu le truc au fond. On aura pas de grand chelem donc. Ah, avec le stick, c'est chaud! Quoi toutes ces plumes là, je m'en branle. Ok. Yeah. À 25. Nombre de prix 1. Je sais plus du tout ce que c'est les prix là-dedans. T'étais pas radin de flèches, mais collectionneur à force, c'est vrai. Arrêtez, vas-y. Ah oui, les bouchons de bouteilles, c'est vrai. Ça sert à rien, non? Zelda, c'était même plus du rapacisme. Tu débloques des figurines et tu gagnes de l'argent. Ok, donc c'est pas... Bah, en vrai, pour la... Je le ferai peut-être, mais hors stream, à la rigueur. En vrai, il est 22h38, je sais pas. Je me demande si je vais pas m'arrêter. Attendez. Ok, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Ouais, je pense que je vais le faire hors stream. Vous voulez? Bon, en vrai, non. Autant le faire maintenant, parce que je pense que je vais pas avancer plus ce soir. Ah bah voilà, tiens, en fait, allez. Vous serez prêt à marquer plus de 3000 points. Les points bonus sont attribués. Ah oui, donc j'étais tout juste. Une cible salazar permettant de gagner beaucoup de points peut apparaître après des coups au but successif. Si vous tirez sur une cible achetée, vous perdez des points. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 3000 points. Putain, c'est ouf, gagner des bouchons de bouteille. Waouh, putain, incroyable. Vous gagnerez des bouchons de bouteilles spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois sauf celle d'Ashley ou que vous marquerez plus de 4000 points. Le premier prix de bouchons de bouteilles est accompagné d'un socle collector, on s'en branle. Bonus spéciaux, chaque fois que vous avez terminé une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. Il y a 4 rangées en tout, vous avez 4 chances bonus. Ok, j'ai rien compris. Vous pouvez voir la collection. Ok, d'accord. On va passer au tir de précision plutôt. Je pense que ce sera mieux. Mais pourquoi il me file une grenade? Je comprends pas trop pourquoi. C'est bon. Ok. Donc oui, je disais oui. De toute façon, je pense pas que j'avancerai plus pour ce soir dans le jeu, dans l'histoire. Donc autant faire ça. Pour l'instant, c'est un grand chelem. C'est chiant ces petites mouches là. Dégagez, j'aime pas les mouches. Bonjour monsieur. Il est pas beau hein. Putain, j'ai mal à l'avoir lui. Pas mal cette session. Yeah, mais j'ai pas fait 4000 points. Bah non, je peux pas avoir fait 4000 points, c'était... C'est le grand chelem.
Ok. Je sais pas s'il faut que j'arrête à chaque fois ou pas. Je sais pas si je suis rechargé ou pas en fait. Ouais. C'est mieux quand même les trucs de précision. Hein. Enfin, moi je préfère avoir le pistolet plutôt que la TMP. Tu gagnes de la joie. Non, ok, je pensais que vous aviez parlé, mais en fait pas du tout. Vous êtes devenu muet sur le chat d'un coup. Voilà, bon, on s'en refait une petite dernière et puis on arrêtera là, je pense. Faut que j'arrive à faire le grand chelem au moins avant de quitter. Vous êtes visé au stick de mort. Putain, c'est ouf quand t'es habitué au gyroscope, c'est. Ok. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre le fusil après ou pas. Certes, c'est plus précis, mais alors par contre. Par contre, t'es lent quoi. C'était le premier Salazar qui est tombé ou pas, je sais pas. Non! Putain de sa race. J'avais pas vu que je devais recharger tout pile à ce moment-là. Non, j'avais tout réussi. Oh. Ah oui, ça recharge, ok. Ouais, c'est bien parce que c'est un jeu gratos. Au moins, emmerdé. À devoir économiser pour le faire. Eh bah putain, pas hasard, il a décidé de venir plusieurs fois là. Il m'a fait peur, on est à cran. J'espère que vous serrez bien les dents avec moi pour ce jeu de mort. Merde, 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 mais sérieux. Mais. Putain, j'ai du mal. Ah bah voilà. Et puis c'est tout, hein. Mais j'arrive pas à la voir. J'ai tout mis à côté, putain. Ah, fait chier, ça me stresse ce jeu. Mais moi aussi, ça me stresse. Putain, je veux réussir à faire au moins un grand chelem avant de partir, quoi. Non, on l'a pas encore vu, elle. Fois il a des spasmes Léon dans le viseur, il part en sucette. Nique ta race. En fait je crois que c'est pas, oui super, c'est ces moments là où il doit falloir utiliser le fusil en fait. Tu m'as saoulé monsieur, tu m'as saoulé, tu m'as vraiment saoulé par contre. Et on remarquera que avoir les toucher les femmes dans la tête, putain. C'est chaud. Bon, je vais arrêter parce que ça me saoule. Toucher les femmes dans la tête vaut double. Deux bouchons de bouteille, c'est tout? C'est naze? Ce mini-jeu me fait plus stresser que le jeu. Bon allez, ça m'a saoulé. Peut-être que je le ferai hors stream, je sais pas trop. Utilise le lance-roquette, ouais putain, ce serait plus pratique. Mais ouais, non, ce mini-jeu avec la visée au stick, c'est chaud as fuck, hein, c'est vraiment chaud du cul. Hein. Bon, bref, les amis, je sais qu'il est tôt par rapport à d'habitude, on va dire, par rapport aux heures où j'arrête les streams en général. Mais je suis vraiment crevé de chez crevé, je vais aller me coucher. Je peux vous dire que je vais passer une nuit de dodo, mais. Bien, 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 ma mène. Et puis du coup, on se retrouvera pour le prochain stream. Alors, ce sera quand? Peut-être demain soir. Peut-être, je sais pas trop. Je vais peut-être me prendre une soirée de repos demain soir. Ce sera pas mardi, normalement. Ce sera pas mercredi, parce que mercredi, il y a Burger Quiz. Donc, potentiellement, jeudi.
Voilà, je vous redirai ça évidemment sur Twitter. Je crois que c'était tout ce que j'avais à raconter pour ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est bon. Oui, je crois que c'était tout ce que j'avais à raconter pour ce soir. Je vais aller me coucher tranquillement. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne nuit, simplement. Le petit pouce bleu avant de partir, comme d'hab. Et puis, suivez-nous sur Twitter et compagnie. Vous abonnez aussi, c'est sympa. Et puis, je vous fais des bisous, tout simplement. Bonne nuit, bonne reprise, bonne semaine, tout ça. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux. Tchou tchou, bye bye.